Ce qui m'intéressait dans le projet Troisième Lieu, c'est que ce n'était pas qu'une médiathèque. C'était un lieu qui rassemblait une médiathèque, des studios de création, des espaces d'exposition, des espaces pour créer de la musique, des espaces de rencontre, un café, une forme de vie et de sociabilité. C'est une sorte de ruban. Il y a un ruban qui se déploie avec des creux, des parties pleines qui accueillent les différents univers. Donc la lumière, en fait, elle se déploie au fil du ruban et le ruban vient distribuer cette lumière dans les espaces. C'est un travail sur des épaisseurs et sur des effets de profondeur qui sont multiples. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des lieux où les fonctions ne sont pas totalement définies, donc il y a une sorte de contraste entre des espaces extrêmement spécifiques, avec des ambiances spécifiques, des matières, des sonorités. Des bulles, donc des espaces plus intimes, donc des petits mondes à l'intérieur d'un grand monde. Voilà, donc c'est ces univers-là qui se côtoient et qui, évidemment, prennent toute leur force par contraste, en fait. C'est pas un catalogue de matière. C'est une sorte de glissement de matière les unes par rapport aux autres. Dans le troisième lieu, il y a une place pour chacun et chacun trouve sa place. On a cherché à avoir travaille sur l'ergonomie, c'est-à-dire qu'on peut avoir, je dirais aussi, ses préférences. On peut être allongé, on peut être blotti, donc il y a par exemple des petites niches qui fonctionnent comme des sortes de cocons. Cette question de fluidité. C'est finalement, c'est quoi? C'est un travail sur le déplacement du corps dans l'espace. Ce qui est important, c'est le rapport aussi au paysage, c'est-à-dire que on termine cette promenade architecturale par un couronnement qui est, je dirais, le couronnement des platanes qui existaient déjà sur le site. Et donc ça fabrique une sorte d'écrin végétal qui est la dernière épaisseur du bâtiment. Je trouve qu'on doit retrouver un espace de liberté et que l'architecture, telle qu'elle est conçue par Dominique Coulon, se marie avec ce concept et y répond parfaitement.